Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Well, it's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom in a tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. I feel it. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, culé. Je suis désolée pour ton grand-père. Je me souviens de la fois où t'avais perdu ton chat. Il s'était mis... Mélia, s'il te plaît. Ok. C'était vraiment quelqu'un de super. Bon, on change de sujet. Tu te viens quoi? Oula, ça fait combien de temps que c'est pas vu? Une bonne dizaine d'années, je crois. Bah écoute, j'ai commencé les études en lettres modernes. T'es pas devenue espionne? Nocturne. Et toi, t'es pas devenu pompier? Informaticien dans l'électroménager. Ça te plaît? Bof. Comment ça, bof? Ça fait une semaine que je suis pas allé, donc je pense que je suis viré. Et du coup, tu vas faire quoi? Là, faut que j'aille m'occuper des affaires du grand-père. Mais... Quoi? Ah, j'en suis pas capable. En tout cas, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Ah merde, j'avais complètement zappé, il faut que je file. Ça te dérange pas si je te laisse? Non, t'inquiète. Merci. Et t'inquiète, hein. Maintenant, je serai jamais plus très loin. À plus. Bonjour, monsieur Wawinski. Agent Johnson, c'est hier.
Veuillez me suivre, nous avons quelques questions à vous poser. Je crois qu'il ne me reste plus pour très longtemps. Peut-être 2 ou 3 semaines maximum, mais... En tout cas, si vous connaissez des gens qui me connaissent, dites-leur que j'ai fait de mon mieux. Dites-leur que je voulais pas que ça finisse comme ça, mais nos réserves, ça m'amuse et... Oh, je vis peut-être une des dernières expériences de ma vie, c'est... T'as pas l'impression d'en faire trop, là? C'est que du café, hein? Non, mais c'est pas du café, c'est du mocha et à la vanille. Beaucoup trop dilué, en plus. Ouais, enfin, je doute que ça puisse te tuer, quand même, hein? Bon, fin de transmission. Balbo, t'es sûr que ça va fonctionner? Bah bien sûr que je suis sûr. Les voyages spatio-temporaux, c'est moi. Tu peux me faire confiance. C'est toi le chef. Ouais, t'as raison. D'ailleurs, en fait, j'ai rien suivi. On part à quelle heure? Bien, d'après le rapport de la CIA, notre cible est entrée dans la salle d'interrogatoire à 234 à 16h33, précisément. Donc, si on prend en compte la distorsion de Schrödinger, le passage du portail quantique et l'ampoule qui clignote dans le couloir 45, si on ne va pas être en retard, ça nous fait partir à 15h26. Mais le plan est parfait. Merci. Il est quelle heure? 15h35. Putain, on est à la bourre. Merde. Putain, Balbo. Je m'occupe du double T56 ou pas? Non, fais-toi couler un café. Putain, Balbo, merde. Attention, départ dans 3, 2... Thomas Bobinski? Oui. J'ai pas posé de questions, là. On cherche le dossier. Bah là, c'est une question, on répond. Quel dossier? Je comprends pas. Où est passé votre grand-père? Il est mort. Non, on tue pas un aussi grand agent que Serge Bobinski. Il avait 92 ans. Ne prenez pas pour des abrutis. On sait que vous savez. Mais de quoi? Savoir quoi, là? Je comprends pas. On sait que vous savez, dites-nous! Monsieur Bobinski, où est le dossier? Mais putain, je sais pas où il est le dossier là! Mais c'est un dossier que j'ai ici chez moi, dans le meuble de ma maison, putain! J'ai des dossiers médicaux, des dossiers de polo! C'est tout! Allez les chercher si vous voulez, putain! De l'eau? Le patron qui veut te voir dans son putain, bureau. Putain, Mike, qu'est-ce que je t'ai dit avec mon prénom? Agent Johnson, vous êtes attendu par le patron. Bon, bah, qu'il attende sur l'interrogatoire là. Okay. Au fait, ce soir avec les potes, on va au vieux Briscard faire un afterwork, tu viens? On en parlera plus tard, Mike. Ah, et pour le cadeau commun, pour le mariage de l'agent Strzok. Anticipe. Mais plus tard, Mike! Merde! Ok, ah. Je dis au boss que t'arrives. Où est-ce qu'on en était? Putain, là! Mais j'ai rien fait, là! Arrête! Mensonge! Arrête! On cherche le dossier Bobinski! Mais c'est quoi le dossier Bobinski? Bon, où sont les rapports de mission de votre grand-père? De quoi mon grand-père? Bah, votre grand-père, il était agent secret. Je sais pas, il m'a rien dit, là. Okay. Bah, peut-être parce que c'est secret. Bon, c'est pas la question. Putain. Thomas Bobinski? T'es qui, toi? Il est où, l'autre agent, là? Qui ça? L'autre agent qui était là avant. Écoute-moi, Thomas Bobinski. Nous venons du futur pour te sauver. Quoi? Ah, je t'expliquerai en chemin, suis-moi. Si j'ai bien compris que t'as un bonjour du futur pour me sauver. Attends. Oui, attends. Bon, alors, non, pas vraiment. En fait, je cherche un dossier. Toi aussi? Bon, Bobby. Ils sont avec toi? Je t'avais dit que je serais jamais plus très loin.
Affaire de Roswell, 8 juillet 1947, Nouveau-Mexique. Rapport de mission Serge Bobinski, récupération des débris du crash. Johnson, Bobinski. À ton avis, qu'est-ce qui s'est écrasé? Tu as entendu les supérieurs? Mmh. Un ballon météorologique. Pourquoi c'est nous qui devons ramasser les débris? Tu poses trop de questions, Serge. J'essaye de comprendre. Je m'approcherai pas si j'étais toi.